Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous rappelle la première poésie que vous avez déjà apprise au premier semestre. C'est La Différence, écrite par Jean-Pierre Saint-Laurent. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Essayez de vous rappeler de cette belle, belle poésie. La Différence. Pour chacun, une bouche, deux yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'à un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident. Où est la différence? La mystérieuse différence. La différence. Pour chacun une bouche, deux yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'à un autre homme. Alors entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent, les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident. Où est la différence? La mystérieuse différence. Pour chacun une bouche et deux yeux, oui, deux mains et deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'à un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident. Où est la différence? La mystérieuse différence. D'après Jean-Pierre Simon, la différence à l'aube du buisson, collection Poèmes pour grandir, chez éditeur 1985-2009. À très bientôt.